escuche al fin j'ai tout santo costé dans le risque trop tôt quand j'ai n'allé sonda pourquoi tu m'aurais dit dans le risque trop tôt curé du vin. Vous avez 17 ans en 40. Ça ah, fait que vous étiez ouché à Kievrin. Ah, oui. Le jour qu'on a déclaré la guerre, vous m'ennuyez à l'ancienne. Ça se doit un samedi pourtant. On peut dire. Des bains qui ont m'ennuyé à l'ancienne, et je revenais avec le baignon, du chevaux, et je passais des mots blancs bouillons, et c'est là que j'ai appris ça. Que les jeunes devaient se rendre à Kievrin. Et ça vous était dit sur l'église, qu'est-ce qu'a vous dit ça, garde champêtre ou... Oh ben pour ça, garde champêtre, voilà. Garde champêtre, hein. Champêtre de la gendarmerie, je vous en peux dire. Vévesse d'abord, comment on dit, il a volé d'en aller, qu'est-ce qu'il a fait? Mais dans ce temps-là, il est grand, hein. Et il a ce temps-là, en petite culotte, là. Il a remetté la petite culotte, et on s'est tourné à gamin, hein. Comme n'a qu'on le reconnaît comme un jeune. C'est ça. Et ma foi, il a réussi. Il a réussi. Hein. On n'est jamais venu qu'air. Vous avez allé avec une petite valise que vous dites. Ah oui, une petite valise. Mettre deux, trois caillettes d'air. Mais qui est fait d'air là. Si j'avais eu un sac, j'avais eu un grand sac, comme on est en Arthur, on aurait pris un sac, mais. Et la bouille? Hey. Elle fait la bouille. On bat la bouille, on a oué fait. Hein? Vous aviez assez de mousse pour les 15 jours, 3 semaines, d'autres. Hey. Vous revenez avec les niches cahiers, d'autres. Oh, ben, hey. Ah ben, il n'y a qu'un sûr d'une n'a qu'on va laver l'eau de l'mus. En revenant. En revenant. Vous en êtes là. Où serait Dieu qui est vrai? Pas vos moyens. Chacun était pas ce moyen, pas ce moyen. Ben, on nous y est monné, on nous est monné, hein. En camion. En camion, oui. Des camions de militaires. C'est un cordeau protecteur. Ça se tournait à l'armée d'abord. Non, ça se tournait à l'armée. Et il a stoppé les pour ça. Oh, bah oui, moi je suis monné. Qu'est-ce qu'il a repayé? N'est vous autres. Ça va dire ça. N'est vous autres. Bah nous, c'est n'est nous autres, hein. Allô? Donc ce sont des gens qui avaient un camion, qui étaient dangereux, payés pas. Pour le gouvernement et par l'armée, pour monter les gens à Kievrin. Donc, ouais. Vous arrivez à Kievrin avec le camion d'Audon. Oui, bien avant de puis vous êtes mérus. Je n'ai pas de jour, mais. À Kievrin, comme ça. Je n'ai pas. Et puis arrivé à Kievrin, personne. Personne. Pour le chef, rien du tout. Non. Et puis, sur là, on nous a dit qu'il fallait que. S'il y a une équipe qui est chère en France. Et. Et nous trois, avec Georges Mahou et Georges Collard, ils ont monté la frontière, ils ont suivi la frontière, et je croyais en aller en Angleterre. Ouais. Mais qu'est-ce qui décide de cette là, ils iront en France? C'est vous autres ou c'est des chefs? Ah, c'est nous autres qui avons décidé ça. Hein. Ah, c'est un des chefs qui vous disent. Ah non, non. Il n'y a aucun du pot de chef, vous n'avez pas trouvé mais d'organisation. Non, un chef, hein. Le piscou là, vous avez été de sauver un grec en celle de l'autre là. Mais à un moment donné, vous montez dans un train. On arrive dans un train. Tu vas aller en Angleterre, tu vois. Et le train à ce moment-là est bombardé. C'est bombardé. Mais Albert, au lieu de nous autres, j'ai continué, j'ai voulu continuer. Avec Georges Mahou et Georges Collat, j'ai continué pour venir en Angleterre. Pour venir à la frontière, à la mer, alors. Mais Albert est dans la rue de Chède, il est revenu à Kievrin avec les autres, et la rue de Chède avec les autres. Ah, c'est ça qui, c'est là que vous vous séparez. Et nous autres, quand, du train, il est revenu à Kievrin, c'était tout le monde, c'était vous, oui. C'était tout vous. Ça fait que j'ai repris nos. J'ai remonté. Puis j'ai arrivé en Angleterre, à Dunkerque. L'Adelé, on ne passe peu. Les soldats anglais, c'était l'Adelé. Et on passe un peu. Vous êtes déjà arrivé en Angleterre d'abord? Non, il n'est pas arrivé. En France? C'était en France. À la frontière, là. Et on ne peut plus passer plus long.
Et il y avait des soldats anglais en France. Soldats anglais, oui. En France. Ils avaient comme leur casserole là. En France. Ah oui. Et la spéciale de monter dans des bateaux d'abord. Bon, ben, ils ont spéciale dans les pilons là. Ça fait que de là, tu as remonté sur le stade. Et j'ai remonté sur le stade, oui. Et puis, de le stade, j'étais là. Ils m'avaient été bombardés. Il a fallu que vous avez un cesse pour plus constante. Et à ce que vous avez un cesse en Flandre, qu'est-ce que vous faisiez? Là, vous êtes constipé. Là, vous êtes bombardé, Adli. Et je étais dessus la route, hein, sur la grande route, un peu plus long. Et c'est là que j'ai vu les soldats belges. Donc il a été encore en guerre d'abord, il a été en accord. Ah oui, il a été en accord, il a été confiné. Il a été en accord fini. De nuit. Et puis à dos. Et puis à dos. Ils vous ont aidé les soldats belges, non? Ils vous ont aidé. Non, quand je les voyais sur la route, Dieu leur se dit, un peu, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'ils nous ont aidé, parce qu'ils se disaient qu'ils nous ravitaillaient. Parce qu'à dos. Ah. Ils disaient qu'ils nous ravitaillaient. Ah, donc ça, l'armée s'occupe quand même de vous autres. Qui nous ravitaillait. Ça fait que l'Atlika est arrivé, quand il est arrivé, il nous a dit voilà. On nous a donné le reste des vifs qu'il avait encore. Et dit voilà, on a tourné. Moi, je suis allé avec l'Allemagne. À l'Erzé, en Ardennes, ah, et ils savaient avec les Allemands Yastin. Ben, c'est sûr, les Allemands. Et ils ont dit que d'espolier avec les Allemands. D'espolier avec les Allemands. Toutes les instructions que vous avez. Voilà, là, tout ce qu'il y a, ça fait qu'il fallait se ravitailler jusqu'où ça va, là. Et vous êtes revenu comment, dans ce temps? On allait à pied. J'ai juste pas profité d'un camion, là. Moucron, attends. Non, c'est un Moucron, je crois. Mais. J'ai un peu de vider un camion pour faire 20 km alors. On te remet dans ce temps, t'as tracé un pied. Un pied. T'es jeté. Dès à des gens de faire ça à cette heure-là. Ah, oui. Ah, j'ai déjà nos 30 km tous les jours. 30 km, ça et fait puis, un dizaine de jours d'abord. Et pour puis, j'en ai le temps, c'est qu'à 7 heures, avec le couvre-feu, on ne peut plus bouger. En cette heure, il fallait être raclos. Hein. On ne peut plus circuler. Et ben, parce qu'ils auront combien routé 2 heures en plus. Hein. Et est-ce que vous aurez rencontré les premiers Allemands? Et Bruxelles, hein, vous avez déjà des Allemands à Bruxelles? Vous savez peu. J'aurais déjà pu dire ce semaine. Et après Namur, de Bruxelles, Namur? Ah là, il n'y a pas des Allemands. Là. À Namur, c'est sûr qu'il n'y a pas. Ah, il y a des Allemands. Là. J'ai pensé d'aller dans la Meuse, là, comme ça. Les ponts à Stadia sauté. Il n'y avait aussi, qu'à Stadia sauté, mais il y avait les ponts, là, c'était ordi. On ne pouvait jamais passer. Ah, on prenait passer sur les ponts. Non, là, je suis revenu de Bruxelles, d'abord, et de Jean-Blou, Namur, et de Namur à Dinan, et bien, on ne prenait passer. Et c'est sûr, mais a dit non, je nous aurais aidé à la commandanture, a dit non. Et c'est là que j'aurais laissé passer pour revenir. Ah, il fallait déjà aller à la commandanture pour voyager. C'est ça. Et elle est passée à voir des Allemands d'abord. Et quand j'en suis passé là, j'ai passé le pont, et j'ai venu loger à ce que c'était ici des ponts. Parce que j'en suis déjà de l'Ebre. C'était sur l'Ardenne, quoi. C'était sur l'Ardenne, c'est ça. Et puis il y aurait une rapide là. Et tout ça rapide là. Je vais te faire l'homme. Et à ce moment-là, vous aviez des papiers allemands d'abord. C'est le premier coup que vous aviez des papiers allemands. Ah ouais. Le commandateur, ça c'est des papiers allemands. Ah ouais, des papiers allemands. Vous êtes revenu et vous êtes arrêté allemand. J'ai arrêté allemand. Et j'ai accouché allemand. Pourquoi vous êtes tiré? Je ne savais pas. Elle essaie d'urdu. Il y avait une équipe d'urdu aussi. Ils n'ont pas revenu dans l'allée, mais ils connaissaient les petits chemins, là. Ils n'ont pas revenu dans l'allée.
Un nostro crevi comme. Et ça vi fait dire non al mo su è giù. Oh oui. Aïe. Oh oui. Oh oui. Et sur le voy comme ça, vous voyez des mots au vous et tout ça, les gens à travers ça, il y a des gens. Non tellement. Non tellement, vous voyez encore des habitants un peu partout. Oui. Et puis, quand vous arrivez à Trossin. Puis j'arrive à Trossin. Après que bête, 3 semaines d'abord à peu près. Oh, c'est pas 15 jours, c'est ça. 15 jours. Je crois. Et comment, à Trossin, il n'y avait rien de chargé? Oh non. Il n'y avait pas eu rien du tout, rien de brûlé. Mais il y avait déjà Castelvo, il y a un peu. Ah oui. Quand vous arrivez, que vous trouvez des mots aux gens Castelvo. Quand j'arrive à Trossin, il y a encore des Allemands, c'est ça, vous là. Ah! À Trossin même? Ah oui. À mon qui? Oh, il y a déjà dans ce mot, tout est bien sûr. Ah, vos mots, Jean? Ah oui. Et quand vous faites zé, là, tout le temps, de l'autre côté. Ah oui. Et ça, tu fais zé. Ah ouais, je fais zé, ah oui. Ah oui, on va te voir, là, oui. Puisque, c'est zé, j'avais des bouillettes au pied. T'avais rôté. Ah oui? Oui. Et c'est eux qui me les ont soignés. Les Allemands. Les Allemands. N'est-ce pas un contraire d'abord? Non, oh non. Oh non. Enfin. Et ils vous géraient à ce moment-là que vous aviez 16 ans, rien du tout. Non, rien du tout. Jules Ruvert, puis maman, elle va sur les coups. A vu le télégramme, il est mort. En héros, tu suis moi, Paul Patrick.